L'État de Côte d'Ivoire ne doit plus rien aux entreprises des travaux routiers. Les 290 milliards de dettes ont été entièrement payées. C'est l'information donnée aux directions sous tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. C'était au terme d'une visite que le ministre de tutelle Amédée Koffi Kouakou a rendue à l'Ageroute et au fonds de l'entretien routier. Aujourd'hui, on doit zéro fois aux entreprises. Le FER doit zéro franc aux entreprises, j'ai dit bien zéro franc. Toutes les dettes qui ont été cumulées depuis la création du FER, tout a été payé. Voilà, tout a été payé. Grâce au président de la République, je voudrais donc, étant ici au Fonds d'entretien routier, lui dire sincèrement merci, dire merci à M. le vice-président, dire merci à M. le Premier ministre pour l'appui important qu'ils nous ont apporté pour que nous puissions régler une fois pour tout ce problème-là. Mais on doit travailler maintenant pour ne plus que ça se répète. Chaque fois que nous n'avons pas de couverture budgétaire sur un projet, nous ne devons pas le faire. Et je pense que la DGIR, le DG de l'Ageroute et Madame la DG du FER vont travailler ensemble pour nous concevoir des programmes qui sont toujours financés. Donc c'est vraiment le message important que je voudrais vous porter. À l'agence de gestion des routes, tout comme au fonds de l'entretien routier, Amédée Koffi Kouakou a dit ses félicitations et ses encouragements aux directeurs pour ce qu'ils font comme travail à la tête de ces structures ainsi qu'à leurs collaborateurs. C'est des jeunes, mais qui font du très très bon travail. Aujourd'hui, vous voyez, les gestions sont complètement assainies. C'est ce que le président de la République demande, toujours la bonne gouvernance. Et je pense que ce soit à l'Ageroute, que ce soit au Fonds d'entretien routier, je vous assure que ces jeunes gens font un travail exceptionnel. Les entreprises sont bien tenues, les entreprises sont correctement bien gérées, ça je peux vous le dire. L'occasion a été saisie par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier pour appeler à la cohésion au sein de ces structures. La visite d'Amédée Koffi Kouakou est la deuxième du genre depuis sa nomination en 2017.